pas s'il y a une fenêtre dans laquelle je peux voir la salle ou ce qu'il y a. Il y a un autre M4 là, il y a un fusil. Mais oui, on a Rachel, je crois, qui est emprisonnée là. Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89, on est de retour dans Miss Survival pour notre épisode numéro 8 de notre saison 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc aujourd'hui, je veux commencer par faire les travaux. J'ai comme terminé de faire d'étendre mon mur, au moins les plans d'eux. Je pense pas être bon pour le terminer parce que j'aurai pas nécessairement les ressources nécessaires. Pour ce qui est du bois, par exemple, tout va être beau. Va manquer les clous dans le fond. J'ai fait des planches, j'ai installé tous les rondins, les logs, les bûches que j'ai installées. Puis je vais commencer par terminer ça. Puis par la suite, j'aimerais peut-être attaquer. Ah, oh, ok, mes planches sont déjà installées ici. Ils sont déjà installées ici. Puis j'ai peut-être même des planches d'extra. Le but aujourd'hui, dans le fond, ce serait de. Shit, c'est pas là que je voulais les mettre, mais bon, ça va faire le job pareil. Terminé. Oh crap, le brouillard en plus qui commence. Bon, mais j'ai toutes mes planches sont mises. Bon, ben ça part mal mon affaire. C'est fait quand même vite au moins mes affaires. Oui, ce que je voudrais faire, c'est peut-être attaquer un campement de bandits pour aller chercher un NPC. Ça pourrait être une option intéressante d'avoir un coup de main supplémentaire à la maison. Aussi, dans le fond, ce que ça me prend, là, c'est des composantes puis de la ferraille. Parce que ce que je veux faire, depuis la dernière fois, bon, j'étais allé à la mine. J'ai fait, dans le dernier épisode, j'étais allé à la mine. Depuis, j'ai fait quelques voyages aussi. J'ai quand même avancé beaucoup de matériel. Là, ce que ça me prendrait, c'est de faire des engrenages. Pour ça, ça me prend du métal de qualité, du métal ordinaire, là, du métal low quality. Puis j'ai fait la poudre à canon aussi. Fait que, en ayant du salpêtre puis du soufre, j'avais quand même une bonne réserve de braise que j'avais faite ici, de cendre, en tout cas. Charcoal, là. Ça. J'ai fait de la poudre, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire des munitions. Malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut pour faire la table à munitions. Il me manque ça, les engrenages, pour ça, ça me prend du métal. Pour le. Puis ça, ça me prend de la scrap, de la ferraille pour faire du métal. Fait que faut. Basically, là, à la base, il faut que je trouve de la. Faut que je trouve de la ferraille. Je vais dropper ça quelque part, ça. Je vais. Un peu de nourriture d'extra, ça fera pas de tort non plus. Fait que je vais partir avec le minimum. Je suis mort malheureusement dessus par un ours. En préparant ça ici, je me suis fait attaquer par un ours, puis. Ça n'a pas été génial. Ça a fait bobo. Et là, ça veut dire que j'ai plus ma pioche. Mais elle était pas mal endommagée. Fait que j'ai perdu quelques outils. Mais c'est pas grave. Le reste, j'ai pas mal tout récupéré. Excepté mon pistolet que j'ai perdu. Avec les peu de munitions qu'il me restait de pistolet. Donc, tout ce qui me reste comme balle à utilisable. Oh, motherfucker! Nah, you can't! Ils peuvent pas défoncer les portes, c'est pour ça qu'ils passent par les fenêtres. C'est pour ça que j'avais mis mes trucs en avant de la fenêtre, comme ça ils peuvent pas rentrer. Ça l'a littéralement bloqué. J'ai pas dû dormir longtemps, hein? Ça couche. Pas dangereux de bord. Être mort bien loin ici, a laissé quelque chose à looter derrière, peut-être. Apparemment pas. Ou il s'est poussé avant la fin du brouillard.
Tant pis. T'inquiète. On va boire et manger, puis on va essayer d'aller au campement de chasseurs le plus proche. Ben, chasseur. Habitude de subsistance. Le bandit. On va leur rendre visite. Tout ce qui me reste, c'est mon shotgun. Fait que. Ça serait bien, je trouve, un fusil, un M4, parce que. J'ai ben quand même plusieurs munitions de ça. Les feuilles. Je me demande si j'y vais pas avec un véhicule. Histoire d'avoir un petit peu plus de couverne. Puis ici, je vais avoir une grande porte là, pour l'instant. Elle n'est pas ouvrable. Voir que ça va donner, j'ai jamais construit la porte. Ça prend beaucoup de matériel. Évidemment, c'est comme un gros panneau en acier. C'est sûr que ça prend un peu de matériel. C'est pas juste des rondins comme le reste des autres murs. Ici. Cool. Ah, ben ça, j'aime ça. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse. Que je fasse le tour de la carte, là, explorer des trucs où je suis pas encore allé. Pour non seulement les espaces de rangement de sac à dos, c'est toujours bien. Moi aussi, parce que ça, c'est une meilleure façon de trouver du loot. Bon, voilà le campement. Je pense pas qu'il y ait de sniper sur celui-là, je n'ai jamais vu en tout cas. Ils ont pas de. Tu sais, ils ont pas de tour au milieu. Il y a un autre campement, il y a comme un tour au milieu du campement. Il y a un tireur d'élite tout sur le dessus. Ça rend notre approche difficile dans ce cas-là. Ça sera pas un problème. Dans ce cas-là, ça va être plus le nombre. Le nombre total de. Hey, je t'assure, c'est un bandit, tout d'un coup, c'est un arbre. Le nombre total, puis d'avoir un endroit couvert. Je suis carrément sur leur mur. Je peux voir à l'intérieur, j'en ai vu un là. On va faire ça, quoique si je meurs, ça change rien. Là. Oh, je l'ai pas vu. Ah. Fuck. Ça a comme pas marché mon affaire. Oh non! J'ai pas perdu mon shotgun. Great. Plein d'outils qui sont destruits. Comment ça, ma pioche? Elle était déjà détruite, ma pioche. Il n'y a pas de pioche. Pourquoi qu'elle est détruite? Bon, ben tant pis. Au moins, j'ai pas perdu l'essentiel. J'ai pas perdu de munitions. Couteau à dos. Putain, est-ce que je trouve un spot? Ouais. Bon, les bobos sont sévères, par exemple. Tourner. Pas trop le choix. C'est vrai que je me sens engagé à l'entrée. C'est pas la meilleure arme pour me battre contre les bandits. Ils ont des armes à feu. Fait que moi, faut que je me rapproche un peu de loin à savourer le shotgun. Que je me batte de proche, puis les autres ils peuvent me tirer de loin. Là. Fait que.
un peu ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me rapprocher. J'ai comme utilisé une tactique... technique de subsistance, là, chargée avec mon shotgun. En me disant que je pourrais me soigner en chemin au pire, mais... On n'a pas autant... La barre de vie est pas aussi visible dans celui-là, fait que je savais pas trop à quel état j'étais rendu. Je savais qu'il m'avait déjà blessé. Je suppose qu'il est apparu aussi, il est apparu en arrière de moi. Ah, ben je retrouve mes affaires, une partie de mes bébés en tout cas. C'est l'avantage, j'ai certains items qui tombent au sol. Ben cool ça, je suis pas tant perdant là, à part... certaines munitions utilisées pour rien, là, le cadavre du premier... bandit, celui que j'ai réussi à tuer est encore là, good. Oh, un rifle, des grenades. Shit. Est-ce des balles dans son rifle ou bien ça va être un rifle normal, j'imagine pas de munitions pendant tout. On est à la maison, pardon. Bon, j'ai tué un gars, je sais qu'il y en a un autre en vie. Mais il est où? Il est pas forcément au campement, on dirait. Il peut se balader autour. S'il y a une fenêtre dans laquelle je peux voir la salle où ce qu'il y a. Il y a un autre M4 là, mais il y a un fusil. Ben oui, on a Rachel, je crois, qui est emprisonnée là. On peut la voir de l'extérieur. Hein. Je sais pas ce qui est arrivé à celui de tantôt, il est. Comme s'il a despawné. Puis écoute, s'il est parti, tant mieux. C'est pas ça que je veux. C'est certes. Je vais ramasser les ressources que j'ai de besoin le plus vite possible. Après ça, je vais aller me barricader en dedans. Et si jamais il se repointe, bon, moi j'aurai. Je peux rentrer à l'intérieur. On va faire ça pendant que je vais peut-être vérifier. Je sais pas si la porte-là est pas barrée. Non, celle-là, elle l'est pas. Okay. C'est la ferraille des composantes que j'ai besoin. C'est là que je la trouve. Je fasse attention, par exemple, pour réouvrir mes plaies. Oublier aussi que je suis en train de défaire mon cover. J'ai moins de. Je vais avoir moins de couverture si je fais ça, mais bon. Pour le besoin de la cause, j'ai besoin des ressources. En même temps, eux autres non plus vont avoir moins de cover. Tabarouette, plein de clous. Donne-moi ça. Give it to me. On va boire, on va manger ce qu'on a trouvé. Ça prend de l'espace dans l'inventaire pour rien, ces trucs-là. C'est pareil pour les bleuets. J'en ai plein dans mon inventaire.
crowbar, je l'ai, mon crowbar. Un autre shotgun, puis d'autres balles. Bien entendu, bien sûr, je les prends, merci. Un autre rifle. Et un sac à dos. Plus 3 de place dans mon inventaire. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que 3 sacs à dos, d'après moi. Non? Allô, Rachel. Ce sera pas long, je vais m'occuper de toi. Juste avant, après d'avoir pris tout ce qui est utile dans la salle. Tout, hein, parce que je suis mort, j'ai perdu des trucs. Ce que je trouve plate, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de façon de il n'y a pas encore d'armure qu'on peut fabriquer, là, pour un t-shirt ou un gilet, là. Mais d'armure, ça pourrait être intéressant avec le cuir de pouvoir au moins faire de l'armure en cuir ou quelque chose qui peut nous protéger au moins un tantinet soit peu. Ce serait pas mal utile. Ça, ça stack pas ça. Bon, Rachel. T'as peu, j'ai pas pris encore, Rachel. Là, c'est vrai. Fait qu'on va pas mal utiliser à plein escient notre inventaire. Train sniper, close combat train. It's been rescued. Will you take her to camp and join your crew? Yes. C'est une infirmière, mais elle est entraînée dans les armes à feu, puis close quarter. Toute la patente. Elle sait pas juste tirer du gun, elle est capable de se battre comme un ninja. T'sais. Selon ce qui est dit. Je les ai jamais vus encore se battre, là. D'après moi, c'est quelque chose de pas encore implémenté dans le jeu. Ça va venir sûrement un jour. Bon, c'est un pour réussir à sortir sans se faire intercepter. Semble clair. Je sais pas ce qui s'est passé avec celui qui m'a tué. D'après moi, il a juste despawné. À moins que je l'ai blessé et qu'il soit mort au bout de son sang. J'ai plus l'impression qu'il a disparu. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais pas eu ma vengeance, mais au moins, je serais sorti de là gagnant. Avec tout ce que je voulais trouver. Là, je vais essayer de faire fondre. J'ai trouvé de la ferraille. Là. Je la fasse fondre. Faire des lingots, puis me faire des engrenages. À partir de là, à partir du moment où je vais avoir mon bench pour faire mon reloading bench, l'établi pour faire les munitions. Charger mes munitions, on va avoir un moins gros problème de munitions. On sera pas illimité, mais tant que je passe du temps à la mine, je peux ramasser tout ce qu'il me faut pour faire des munitions. C'est ici là. Loading bench, il manque deux gears à mettre dessus. Pour ce faire, on va mettre ça là. Ça me donne 4 lingots, puis je pense que ça me prend 4 lingots pour faire un engrenage. Ça me prendrait un autre 8. Allô, Rachel! J'ai fait un institution, je suis comme, t'es qui toi? Ouais, c'est pas ici, c'est ici. Ouais, c'est ça, ça me prend 4 lingots pour un engrenage. Là, à partir de là, je peux commencer à y faire des tâches, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là. Il y a des affaires qui prennent beaucoup de temps, que j'ai plus besoin de faire moi-même. Là, c'est de valeur parce que je l'ai déjà fait, là, mais par exemple, prendre les lingots et les transformer en planches. Un bon exemple. Ils peuvent pas construire rien, mais je peux les mettre à crafter certaines affaires. Il y a des affaires que je peux pas faire. Ce que je peux faire sur
Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est cliquer dans le fond la tâche. Il faut l'assigner. Il faut cliquer Assign to NPC. Puis après ça, il faut venir sélectionner le NPC qu'on veut qu'il fasse la tâche. Donc, elle fait ça pendant le temps requis. Au lieu que ce soit moi qui fasse passer le temps, dans le fond, à plus grande vitesse. Bien, ça se fait tout seul, c'est merveilleux. Je vais pas faire du cuir, même si... Non, je vais pas faire ça. Je vais pas le faire moi-même. On va travailler là-dessus. Fait que pendant ce temps-là, elle a pu crafter des trucs. C'est le fun parce que ça va accélérer la fabrication de certaines choses. J'ai pas nécessairement de munitions en quantité industrielle. Je vais au moins... Non, pas ça. C'est correct. Enfin, je me refasse des flèches, mais j'ai pas... Les pointes de flèches, ça me prend du fer aussi, puis j'en ai pas... J'en ai pas beaucoup en réserve, fait que je vais laisser faire les flèches. On va mettre l'accent sur quelque chose de plus important. C'est-à-dire pouvoir se faire des balles. J'ai définitivement besoin de plus d'espace de travail. Plus d'espace de rangement, c'est-à-dire. Ça me prend de la ferraille aussi. J'en ai pas assez! Est-ce quelque chose que je peux crafter que. Je pourrais me faire un petit. Ça va pas me donner beaucoup d'espace. Mais j'ai plein de planches d'extra. Je pensais que c'était encore un. Oh, il est à l'envers, pardon. Ça me donner une coupe d'espace supplémentaire, je crois. Ça m'a qui sont faites. Ok. Good. Je vais mettre une coupe de cossin ici. Les clous, je vais les installer tout de suite. Continuer à faire grandir mon mur. Tellement de bébelles. Écoute, ça va tout être des affaires qu'il va falloir que je classe plus tard. Je vais faire ça après l'épisode parce que là, c'est pas intéressant. Là, tu sais. C'est une bouse. C'est une pilule. Même pas trop transporter de trucs sur moi si je vais aller looter. Ah, c'est ça que je vais me débarrasser. J'ai quand même quelque peu de stage à l'extérieur de la base, justement, avec les véhicules là. J'ai ramené quelques véhicules. Je pourrais en ramener plus éventuellement si j'ai des pièces mécaniques supplémentaires. Oups. J'ai comme oublié celle-là. Qui tombe ici. Il y a donc bien des branches. Ça arrête pas de tomber au sol. Alright, on va continuer ce coin-là. Je vais terminer ce coin-là pour la palissade. Rentrer les clous là-dessus au moins pour un morceau de plus de compléter. Et ça va me prendre du fer pour finir. La suite, la ferraille pour avoir plus de clous ou trouver des clous si je suis chanceux. Pourquoi tu dors à terre, fille? Bon, ok, j'ai pas de lit attitré à toi, là, mais tu peux toujours bien dormir ailleurs que par terre, quand même. Je vais lui donner au moins un couteau. Même si je sais pas si elle peut vraiment s'en servir pour le moment. Là. Regarde. Ça va pas être difficile parce qu'il est magané, hein.
Allô, Rachel, c'est pas le temps de dormir. Allô, toi je parle. Hey. Hey, allô. Tiens, j'aimerais bien te donner plus que ça, mais j'ai pas de balle à nous à te fournir, fait que ça sert à rien. Bon, c'est l'heure de faire un dodo, moi et tout, hein. Peu épeurant que tu serais que quand je me réveille je te vois là. Yes. Pour l'instant c'est ça, ces barres de vie puis de on n'a pas besoin de les nourrir encore pour l'instant. Est-ce que je comprends là, on n'a pas les moyens de le faire encore. C'est une bonne affaire parce que d'avoir une deuxième bouche à nourrir, ça serait un sacré problème. Parce que pour ce que le NPC peut faire à la base, ça vaut pas la peine d'avoir à le nourrir. Faudrait qu'il travaille pas mal plus fort que ce qu'il peut faire en ce moment. Pour que je considère que ça vaille la peine de l'avoir à la maison pour le coût que ça coûte de nourrir une bouche de plus. Ces branches-là, je peux toutes les faire juste parce que why not? Je vais sûrement faire d'autres clôtures de toute façon. Des petites clôtures. Fait que les sticks, c'est toujours pratique. Fait que c'est ça. Si je veux le faire par un NPC, un AI, Async to AI, je vais sélectionner ici. Je peux en avoir plus que un. Là, on voit c'est. Moi, ça barre de vie, puis tout. Mais c'est pas encore. En tout cas, ça a pas l'air d'être encore dans le jeu. Pareil pour ces sites. Je peux juste faire une chose à la fois, évidemment. Mais je peux venir faire ceci. Fait que je peux y faire ultimement pas mal tout le crafting que j'ai à faire à la maison. Pendant que moi, je vais chercher du loot à l'extérieur. Donc moi, je m'amuse. Elle travaille pour moi. Grosso modo, c'est un peu ce que je dis. C'est à peu près ça l'idée. Bon, est-ce que j'ai le temps d'aller ailleurs? D'aller se balader un peu plus loin. Une fois que je pourrais trouver du loot intéressant. En quoi que les cabanes. Là, je suis allé chez les bandits, mais je suis pas allé aux alentours. Les cabanes aux alentours, dehors de quoi que j'ai pas fouillé certains. Je me souviens plus. Ce qui arrive, là, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait dans cette saison-ci puis qu'est-ce que j'ai fait dans la saison précédente. Hein. Cabane ici, je m'étais déjà installé ici. Il y en a une qui est infestée, l'autre l'est pas. Oups. Donc on va voir, il y a un beau véhicule ici qu'on peut récupérer. On mettait ça, on prend ça. Je sais pas si je suis venu, j'ai pas ouvert mes portes. Ça veut-tu dire que je suis pas venu encore ici ou. Je pense que je suis déjà venu, hein. Et merde. Il y a le poulet qui me taquine en plus. Là. Je pourrais ramener ces fameuses. Je sais pas comment ça va fonctionner, les poulaillers. Il va
Bon, j'ai un autre objectif là, c'est ce que j'ai, c'est d'éventuellement trouver. De me faire un piège pour petits animaux, puis me ramasser un poulet, puis le ramener à la maison. Ça fait partie des objectifs. Parce que je sais pas encore essentiellement comment ça fonctionne. Donc je veux le découvrir. Ah, ben je pense que je peux venir ici parce que j'ai pas détruit la génératrice en arrière. Oups. Oh, non, pas 7. 6 que je veux. Ouh là 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 là. On va attendre, hein. Pas se blesser, pas réouvrir nos plaies. Cool, pistolet. Moi ça, cette porte-là, qu'on puisse rentrer. Bingo! Déjà là, juste notre passage ici, on valait la peine. 7! Hunting Arrow, c'est les bonnes en plus, merveilleux. Balles, des flèches. Parle-moi de ça. On va aller dans l'équipement. On va acheter des flèches dans mon carquois. Tant mieux. Bon, je vais détruire la génératrice, puis on va avoir un bon petit voyage dans cette petite cabane. Je sais pas si je vais être bon pour la détruire au complet sans me blesser. Je vais peut-être devoir attendre un peu. Mais ça va me fournir le. Probablement la ferraille nécessaire pour. Si je me souviens bien, il n'y a pas un campement. Il y a genre de trois Winnebago. À ce temps, je peux les détruire. Je peux probablement aller les détruire là-bas. Les roulottes, c'est-à-dire. Ça me donne même une gear. Ah, oh, ben tabarouette. C'est encore mieux. J'ai regardé ça jusqu'à moi. J'ai peut-être pas assez de ferraille pour faire ce que j'ai besoin de faire. Mais c'est encore mieux. J'ai trouvé la gear déjà faite. Fait que je vais pouvoir faire mon. Je pense qu'on va finir l'épisode d'aujourd'hui là-dessus. Je vais aller récupérer mon véhicule. On va se rendre à la maison. Puis on va finir le reloading bench. Voir un peu de quoi ça a l'air. Faire des balles. J'aime beaucoup la musique d'ambiance, ben, les bruits de fond d'ambiance de ce jeu-là, ça fait très paisible, mais par moments très creepy aussi. On a les petits oiseaux, mais t'as des petits bruits de fond bizarres des fois un peu. Quoique des fois, on a des effets qui n'ont pas rapport, comme on entend des gens ouvrir des portes. Mais on est loin de tout bâtiment, mais je pense que c'est juste... Les effets sonores qui ont entré pour l'instant sont peut-être plus au hasard, puis ça va sûrement se corriger plus tard. Zoom, zoom, zoom! Ah, oh, c'est une graisse. Ces astuces d'ours-là. Je pense que ce que je vais faire, je vais laisser mon véhicule pas mal sur la route. Tu veux-tu moi là?
Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis en véhicule. Je suis 10 fois plus gros que toi. On va faire le tour de bord. On va aller ailleurs. Alright, ah, elle est en train de me fabriquer en plus ce que j'ai besoin. Merveilleux, 20 minutes. Et je vais poser la première, ça va me prendre quand même quelques secondes. C'est tout? Ok. Ou c'est parce que j'ai pas eu bons outils? Non, je les ai, ok. Good! Faut que je répare ma fenêtre. Là, la valise du bas va être compliquée à aller chercher. Ça, comment, genre, quand tu le bouges, les tablettes sont retirées. Le tiroir est retiré. On l'enlève pour... c'est moins pesant à déplacer. Ça fait du sens. Des petits détails comme ça, là. Qui m'émerveille incroyablement. T'achèves, tu rachètes. Ok, je vais être patient d'abord. Puis là, tu vois, les bâtons sont là. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des pertes. Vraiment falloir que je me ramène des tiroirs ici, j'ai comme plus d'espace. C'est catastrophique. Voilà, on s'est organisé. Ah, c'est fini. Cool, il me fait peur à tous les fois. Good, bon, ok. Je ferai pas nécessairement des missions aujourd'hui. Que ça peut être un long processus, je crois. Mais au moins, ça peut me donner une idée. Ah, c'est ça. Un, faut que je fasse les cartouches. Ça, je l'ai fait. Ici, je me souviens. Non, pas en tout. Ici. Ouais, c'est ça. Fait que je fais les cartouches, ça me prend du métal de basse qualité. Il va falloir que j'aille vraiment de la ferraille pas mal. Plus parce que là ça va m'en prendre avec du brass, de l'étain évidemment, puis ça me donne une quantité X dépendamment du type de munition de cartouche, quand même pas mal, c'est quand même bien là pour un lingot de brass 16 balles, 8 pour les cartouches de shotgun évidemment parce que cartouches de shotgun étant les cartouches de shotgun, ça me prend du lingot, des lingots normales. Après ça, avec les cartouches et la poudre, je peux faire mes balles. Sur ce, sur la reloading bench, l'établi pour faire le chargement des munitions avec tous les beaux outils pour charger les munitions. C'est merveilleux. Puis on peut même faire des grenades avec le niveau 2. Pour le niveau 2, ça va me prendre la ferraille, des lingots de métal, des engrenages et les fameux. Comment ça s'appelle? J'en ai trouvé un à date, là, c'est un... c'est ça. Les composantes militaires. Fait qu'avant de pouvoir faire mes propres grenades, ça va me prendre d'autres outils. Ouais, tu vas terminer l'épisode là-dessus. C'est-tu Rachel qui ouvre tout le temps mes portes? C'est moi qui ai la souverte. J'aime pas ça. J'aime pas ça, les portes ouvertes. J'ai peur que les ours rentrent chez moi. C'est pas comme ça avait jamais arrivé, c'est arrivé une couple de fois. Alright, j'ai terminé l'épisode là-dessus. C'était Doom QC89. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!
Tu fermes pas les portes, toi, quand tu rentres? On chauffe pas le dehors.